C'est un faux billet. Il en a tout l'air. Passé par un faussaire qui répond à votre signalement. Oh, moi, je ressemble à monsieur tout le monde. Je suis sûr que c'est vous. Je ne vous empêche pas de le croire. Vous êtes un malandrin, McKenna. Vous avez passé ce billet, je sais que vous êtes mêlé à la bande qui a fait dérailler le train. C'est vous qui déraillez sur votre respect. Je sais que vous ne me direz jamais la vérité. Je n'aurais pas l'audace de vous raconter des blagues. Vous êtes capable de tout. Je suis du côté de la légalité. Et vous y resterez, McKenna. À la moindre incartade, je vous chope et je vous écrase comme une punaise. J'ai bien envie de donner à ce minable une petite leçon de politesse. Dispensons-nous de sa sollicitude. Et t'amuse plus avec ça. Là, là, tais-toi. Veux-tu empêcher ton moutard de gueuler pour l'amour du ciel? Qu'est-ce que tu crois que je suis en train de faire? Mets-lui la tête sous un polochon. Oh, je t'en ficherai des polochons. On a un sympathisant à la personne du gouverneur. L'ordre des Hiberniens veut le maintenir à son poste. Nous devons tous voter et faire voter pour lui. Des politiciens. Ils vendraient leur mère pour un vote. Le gouverneur accorde des grâces. Tu pourrais en avoir besoin. Au sujet de la tombola pour la veuve Breslin, tu as le premier lot, Dolan? Oui, je l'ai. Il faut que tous les billets soient vendus. Ils ne sont pas chers et la pauvre femme en profitera. Quelqu'un veut parler? Nous tiendrons la prochaine réunion dans 2 semaines. Chez lequel de nous? Kerrigan. Je viens. Alors c'est réglé. Je déclare que cette séance de l'ancien ordre des Hiberniens est levée. Bonsoir à tous. Bonsoir. 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 Ah, reste un peu avec nous. À moins que tu sois pressé de rejoindre ta logeuse. D'accord, je reste. Comment va la main? Mieux. Laisse-lui tout le temps de guérir. Il sera assez tôt pour descendre au fond. Alors voilà. On a un appel de Shenandoah. Il se plaigne du nouvel ingénieur, une crapule. Quel genre de crapule? De genre crapule. Il licencie les gens sans raison, il rogne sur la paye pour faire impression sur ses patrons. On nous demande de faire impression sur lui. Je suis un Hibernien. En tant que tel, je ne dois rien faire.